بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة عدنان القدس على اليوتيوب الجانب الخاص بالرياضيات دائما في إطار استعداد لامتحان محلي لهذه السنة أقدم لكم اليوم التمرين رقم اثنان من الامتحان المحلي لسنة 2019 الخاص بإعدادية القدس بفاس لو Donc, race, l'ordre et opération. Donc, comparer les deux nombres suivants, vous pouvez déduire une comparaison pour les deux nombres. Après, deuxième question, c'est l'encadrement des nombres. Hello, chargeur, la solution? Donc, la première question, comparons 2 racines carrées de 7 et trois racines carrées de 5. Donc, on doit calculer leur carré. On déroule la comparaison de ces deux nombres. 2 racine carré de 7 au carré égale 2 au carré il y a 4. Racine de 7 au carré il y a 7, donc c'est 4 fois 7 égale à 28. Et 3 racine carré de 5 au carré, c'est 9 fois 5. Égal à 45. Puisque 28 est inférieur à 45, c'est-à-dire 2 racine carrées de 7 au carré est inférieur à 3 racine carrées de 5 au carré. Alors, on conclut que 2 racine carrées de 7 est inférieur à 3 racine carrées de 5. On déduit une comparaison pour ces deux nombres. L'achat, on a le même nombre, 1, 1. On a plus 8, plus 8. On a 3 racines carrées de 5, on a 2 racines carrées de 7. Les gens à de les c'est Et on a 2 racines carrées de 7 est inférieur à 3 racines carrées de 5. Donc, j'ajoute 8 aux deux membres de cette inégalité. 2 racines carrées de 7 plus 8 est inférieur à 3 racines carrées de, 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 de 5 plus 8. On nous avons l'inverse. Mais quand on l'inverse, on change l'ordre. Donc, on a dit 1 sur 2 racines carrées de 7 plus 8 pas supérieur à 1 sur 3 racines carrées de 5 plus 8. On passe à la deuxième question. En cadrant 3a moins b. Donc, j'ai a est compris entre 2 et 5 et B entre moins 3 et moins 1. Ça veut dire A est un nombre positif et B est un nombre négatif. On a 3A moins B. Qui m'a servi, dit plus. Donc, on a 3A plus moins B. Donc, on va encadrer 3A et moins B. Donc, on a 3A. On a multiplié A par un nombre positif 3. Donc, rien on change, donc on de l'ordre donc à tous les 3 fois 2, c'est 6 et 3 fois 5, c'est 15 ici, on va le moins B, on le moins 1, un nombre négatif donc on change l'ordre ici, à tous les 1 et tous les 3 donc moins B est compris entre 1 et 3 ça veut dire moins B est un nombre positif donc 3A plus moins B donc 3A plus Z et On dit qu'il y a membre par membre. La gauche plus la gauche, 6 plus 1. Et la droite plus la droite, 15 plus 3. Donc, 3A moins B est compris entre 7 et 18. En A fois B. c'est la multiplication. Un des A positif, M. Mouchkill, ou la B négatif. Donc, c'est un autre B, plus B moins B. Donc, A est compris entre 2 et 5. Et moins B. Normalement, nous avons moins B. Nous déjà que nous avons moins B. Nous avons moins B est compris entre 1 et 3. D'abord, on A fois moins B. Il a deux nombres positifs. A positif, moins B positif. On encadre d'abord A fois moins B. Et donne la gauche pour la gauche. Donc 2 fois 1, A et la droite, c'est 5 fois 3. A fois moins B, c'est moins AB, et compris entre 2 et 15. La question, c'est encadrer A fois B, ça veut dire AB. On doit multiplier par moins 1, on trouve l'ordre. Il y en a du juge, il tous les moins 2 et 15 moins 15. D'où AB est compris entre moins 15 et moins 2. Encadrons maintenant A plus B. On a un problème, on a un positif, négatif, ou un cas négatif. La somme, rien n'a changé. La somme, on ne change pas l'ordre. Donc, on a A y compris entre 2 et 5, et B entre moins 3 et moins 1. Donc, on a l'addition membre par membre. Donc, on a A plus B y compris entre 2 moins 3 et 5.